grave, il paraît que c'est terrible. Je vais découvrir ça. SAP Tourisme à l'Agence de développement des Hautes-Alpes. Donc aujourd'hui, les Alpes du Sud voilà, sont à Bruxelles pour un workshop de présentation en fait, de leur station. C'est une sorte de journée en fait, de lancement de la saison d'hiver. C'est important pour nous parce que la clientèle belge est la première clientèle des Alpes du Sud. Donc voilà, il y a une vraie histoire on va dire, d'amour entre les Belges et les Alpes du Sud. Et ici, on vient donc, avec un collectif de stations des Alpes du Sud, donc des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Et donc ce sont une vingtaine de partenaires stations qui viennent présenter leurs nouveautés, leurs atouts différenciants et donc tout un tas de nouveautés et ce qui fera la saison d'hiver du coup prochaine qui attaque sous peu finalement. Alors, je commence tout d'abord pour situer géographiquement parlant la station de Montgenèvre qui se trouve dans les Hautes-Alpes à la frontière franco-italienne avec une facilité d'accès que ce soit par tram, en voiture ou en avion du simple fait qu'en autoroute, on a une sortie d'autoroute à 15 km de chez nous, une gare TGV à 15 km et l'aéroport de Turin en Italie, c'est ça une particularité de la station qu'on se sert beaucoup du côté italien, à 80 km. Pourquoi choisir Montgenèvre pour les vacances? Pour trois raisons très très simples. Un grand dôme skiable, 400 km de piste qu'on partage avec l'Italie, avec une spécificité unique qui est celle de pouvoir skier, même pour les débutants, jusqu'au sommet, parce que chez nous, on a des pistes vertes et bleues qui permettent de rejoindre la station, même si on est sur les sommets. Et ensuite, pour les sensations qu'on peut trouver sur le côté italien, parce que les pistes de la Via Lattea, notre homologue italien, ont accueilli les Jeux Olympiques de Turin 2006. Donc, il y a des sensations, il y a du ski pour les débutants. Globalement, c'est le bonheur d'une famille entière. Deuxième possibilité, les non-skiers. C'est une station qui fait de la diversification de l'offre son vrai credo. On a des itinéraires de raquettes, des itinéraires de ski de randonnée, des itinéraires piétons, mais surtout un centre balnéo et spa exploité directement par la commune que grâce à l'offre de produits Nux Spa permet aussi d'élargir les bienfaits de l'eau avec les massages. Et la troisième chose, c'est la gastronomie. On est à la frontière, l'Italie à 300 mètres, la France, nous y sommes dedans. Et il y a cette mixité de la cuisine qui fait qu'on peut trouver des plats français, des plats italiens, mais aussi quelque chose de très sympathique qu'on peut avoir que chez nous, qui est justement ce mix entre France et Italie. Ski, sport, culture, art de vivre, voilà, on peut trouver tout ça à Montgenèvre. Alors les Ors, on est donc au cœur des Hautes-Alpes. Pas très loin de Briançon, au-dessus du lac de Serpenson. Domaine skiable, fort sympathique, on a l'impression de skier dans les canyons. Donc c'est assez atypique, au cœur de forêts de mélèzes. Donc c'est aussi le côté des paysans par rapport aux Alpes du Nord. On ne fait pas que du ski évidemment, hein. Toute l'offre a été développée pour les familles avec une riche offre d'après-ski, que ce soit la tyrolienne, l'airboard, le vélo sur neige, et puis la grande nouveauté de l'hiver, hein, c'est le pôle sport et innovation, qui est un centre de loisirs dernière génération, avec des simulateurs d'activités, ski, parapente, canoë kayak, VTT pour donner envie aux gens de découvrir l'environnement outdoor. Un tapis incliné pour faire du ski indoor qui va servir à la fois aux clubs, aux athlètes mais aussi aux skieurs débutants. Et puis deux salles d'escalade, dernière génération aussi, pour les enfants, les familles et les experts avec des modules colorés et ludiques en auto-assurage. Voilà. Par rapport à ça, une offre d'hébergement qui monte en gamme avec le label qualité hébergement et puis des événements qui rythment toute la saison, des féeries de Noël, Nouvel An, en passant par le festival Détox et Bien-être et une semaine carnaval dédiée aux Belges. Donc nous on représente la vallée de Lubagne qui se situe dans les Alpes de Provence entre le lac de Serpenson et la frontière italienne. La particularité de la vallée de Lubagne, c'est qu'on a une petite ville-centre qui est Barcelonnette, qui est une ville qui vit toute l'année et depuis laquelle on peut rayonner sur trois stations de ski alpin et deux domaines nordiques de manière très rapide et facile.
les stations de ski étant Pralou, qui est la plus grande station reliée avec la Foudalos, sur l'espace lumière, 180 km de piste, qui est vraiment la station la plus importante de la destination. Le Sauce, qui est une station un petit peu plus petite, on a 65 km de piste, donc plus familiale, plus accessible aussi pour les débutants. Et puis Sainte-Anne, qui est un domaine alpin vraiment préservé dans la nature, et là qui est sur des prix très accessibles puisqu'on a 23 euros la journée et des paysages vraiment somptueux. Les deux domaines nordiques sont un à Saint-Paul-sur-Ubaye et l'autre au Val d'Oronaille à la frontière italienne. Ils permettent de skier dans des paysages extrêmement préservés et notamment dans le parc du Mercantour. Le parc du Mercantour qui fait rêver d'ailleurs. Parce que, à juste titre, parce que c'est un lieu qui est vraiment très bien conservé, préservé et qui mérite sa réputation. Il y a beaucoup de Belges qui vont chez vous. On a beaucoup de Belges chez nous, toutes les saisons. On est ravis de les accueillir parce que c'est des gens très sympathiques. Et, été comme hiver, on les accueille avec plaisir. Alors, bonjour, Maëva Noël pour la destination Serre-Ponçon, avec deux stations complètement différentes les unes des autres et très complémentaires. Crévoux d'un côté du versant du lac et Réalon de l'autre. Crévoux, une station vraiment axée sur la nature, sur le sauvage, sur le côté atypique, vraiment la conservation de la montagne, un domaine de freeride, des forêts de mélèze. Ce qui la différencie, c'est qu'il n'y a pas de télésiège, seulement des téléskis. Et de l'autre côté du lac, Réalon, qui est beaucoup plus axé au sud, une station familiale avec un grand espace débutant, une vue qui surplombe le lac de Serre-Ponçon et derrière vous les aiguilles de Chabrières. Les deux stations se complémentent. Quand on est au cœur de vallée, il faut compter 20 minutes pour monter à Crévoux et 30 minutes pour aller à Réalon. Tout le monde y trouve son bonheur. C'est fait vraiment pour les skieurs qui sont vraiment amateurs et Réalon pour vraiment l'aspect plus familial, la détente, le soleil et la vue. Ceux qui ne font pas que du ski, quoi. On ne fait pas que du ski. On fait aussi des chiens de traîneau, du fat bike. On peut faire du parapente en décollage en ski. On peut faire du snook. On peut faire des randonnées en raquettes. On fait du ski de rando. On fait du ski de fond. On fait à Réalon de la luge sur une piste naturelle de 4 km qui s'appelle la Ripa à la fermeture des pistes. À Crévoux, on fait du chien de traîneau. Dans les forêts de mélèze, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde. On fait des dégustations des produits du terroir. On va visiter les fermes. On va manger du fromage made in Crévoux. Un accueil chaleureux tout au long de la saison hivernale. Donc le Dévolu, c'est un massif haut alpin qui se situe à l'ouest du département. On fait la frontière avec les deux départements de la Drôme et de l'Isère. C'est un massif qui fait presque 200 km², donc avec toute une vie de vallée, beaucoup de producteurs et d'artisans et surtout beaucoup de spots de nature, en fait, que ce soit pour du ski de rando, du ski alpinisme ou l'été pour du vélo, de la rando, de l'escalade. Et dans ce massif, il y a deux stations qui sont Super Dévolu et La Joue du Loup. Donc on dit souvent que ce sont deux stations, deux ambiances, puisque Super Dévolu a un côté beaucoup plus urbain, festif, un peu plus jeune. Et La Joue du Loup a un côté beaucoup plus cosy, avec des grands chalets. C'est beaucoup plus étendu également, une petite place des boutiques très charmante. Et aussi un centre de bien-être Odyssée à les Bains Dévolu, c'est un centre de balnéo et spa. Voilà, et ces deux stations sont reliées par un seul et même domaine skiable qui fait à peu près 100 km de piste. C'est 53 pistes, 22 remontées mécaniques, deux zones débutantes, une zone freestyle avec le snowpark forcément. La nouveauté de cet hiver, c'est une ligne avec trois airbags, dont un airbag landing, ce qui est unique en fait dans la région sud. Et ensuite aussi une espace black ram, c'est un espace freeride en fait, qui n'est pas damé avec une grande pente. C'est quoi un airbag landing? Alors c'est en fait, on connaît les airbags carrés sur lesquels on ratterrit comme ça, et là c'est vraiment la réception qui est faite en airbag, donc après on peut continuer à enchaîner sur des prochains sauts. Ouais. Après notre force aussi, on reste quand même une station globalement famille, et notre force c'est qu'on a des pistes bleues qui vont jusqu'en haut du domaine skiable, avec des téléportés qui permettent de monter, donc même avec des enfants ou un petit niveau de ski, on peut aller tout en haut du domaine, profiter de la vue et avoir 1000 mètres de dénivelé négatif pour descendre jusqu'aux stations.
Et pour les non-skieurs, il y a aussi bien évidemment de quoi faire. Donc déjà avec un domaine nordique, il y a 18 km de pistes de ski de fond, mais il y a aussi 20 km de sentiers multi-activités. Donc on peut pratiquer en raquette, à pied, en trail, à cheval, en fat bike, tout est possible. On va avoir beaucoup d'activités comme le centre sportif à Super Dévolu. Donc les balades en raquette aussi, on peut être dans la nature très facilement. On va avoir du ski touring, on va avoir de la randonnée à cheval justement, chien traîneau bien évidemment. Et après toutes les activités qu'on peut retrouver forcément en station pour les non-skieurs. En fait c'est la grande ville, donc Nice, 350 000 habitants, ça veut dire 5e ville de France. C'est 8 ports de plaisance. De Cagnes-sur-Mer jusqu'à Cap d'Agde, donc la frontière monégasque. Après, c'est les villages perchés, il y a 16 villages perchés. D'un côté par Vence, de l'autre par la vallée de la Vésubie, et le Mercantour avec 7 stations de ski. Alors, les plus connus, c'est Oron et Isola, bien évidemment, hein, qui sont des grands domaines skiables avec un vrai potentiel de ski plus technique à Isola, mais c'est vraiment important. Et puis 5 autres stations, donc 2 qui sont du ski nordique, connexion entière avec la nature, aucun appareillage, tout dans la nature. Et Val-de-Bleur, la Colmiane, c'est une station où on peut aller avec des amis, mais avec des niveaux de ski différents, avec aussi envie de faire pas que du ski, c'est-à-dire qu'on peut faire, il y a la tyrolienne, il y a de la croquanche, il y a via ferrata, ben voilà. Donc les sports à sensation, le parapente, donc on peut faire un peu de tout le temps. Et 2 petites stations, Roubion-les-Buis, qui est très familial, on va avec les enfants petits, et le col de Turigny, donc le mythique col de Turigny, qui a une toute petite station, qui est vue mer et qui est à 1 heure du littoral. Les stations, elles sont à 1 heure du littoral, 1h45 au plus haut des Alpes. Donc en fait, pour quelqu'un qui vient d'ici, en 2 heures, il est à l'aéroport de Nice et après, une heure, trois quarts après, il est pied au ski. Exactement. Ou les pieds dans l'eau de mer éventuellement. Si vous... Alors là, c'est que 2 heures. Il est, l'aéroport est sur l'eau. Donc, par rapport à tous mes camarades, on a peu ou prou des stations, somme toute, à peu près équivalentes. On a les petites et les grandes, mais enfin, on est... Moi, ce qui me dit différencie, c'est un, l'accessibilité, parce que avec la gare ou l'aéroport de Nice, on est connecté partout à l'Europe et même au monde, hein, parce qu'on a des vols directs sur Dubaï, sur New York, sur enfin voilà. Et on a cette destination mer-montagne. Donc on n'est pas obligé. En fait, nous, on est dans une destination où on n'est pas obligé de choisir. On peut choisir de prendre des vacances en hiver pour aller faire du ski, mais pas que. Pour aller aussi en bord de mer, faire du paddle si on veut, pour aller au musée Matisse ou au musée Chagall si on veut, pour faire une visite qui fait comprendre l'UNESCO et pourquoi Nice a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO sur 522 hectares. Donc ça veut dire cette ville qui s'est faite par et pour le tourisme. Enfin voilà, on a une destination qui permet d'allier la connexion totale avec la nature, avec l'art, la connexion avec l'art, la culture et le patrimoine. Donc on est situé au nord du département des Hautes-Alpes, à proximité du Queyras et de Serre-Chevalier-Vallée. Donc notre particularité, c'est d'être situé sur le massif des Écrins et en grande partie sur le parc national des Écrins, donc ce qui nous garantit d'avoir des paysages très préservés dans lesquels on va trouver une faune et une flore exceptionnelles. Et c'est ce que recherche de plus en plus finalement notre clientèle, ce côté dépaysement, ce côté nature, ce côté sauvage aussi et authentique. On a à côté de ça 2 stations, puis Saint-Vincent qui propose 75 km de piste alpin, de ski alpin, et puis Pelvoux-Val-Louise 25 km de piste, donc c'est plutôt des petites stations qui sont à la fois familiales mais qui proposent aussi des domaines de hors-piste et freeride de très belle qualité avec une vue imprenable sur les glaciers qui nous entourent. Parmi les pépites qu'on a sur le territoire, il y a 2 lieux phares. On a Ailefroide, c'est le deuxième site d'alpinisme et d'escalade après Chamonix en France.
C'est le départ des plus belles courses d'alpinisme pour aller au Glacier Blanc, pour aller à la barre des Écrins, notamment l'été. Et puis l'hiver, c'est un endroit tout à fait enchanteur, puisqu'on va pouvoir monter uniquement en raquette ou en ski de randonnée. La route est fermée, pas du tout déneigée. Et on va pouvoir profiter d'un paysage assez incroyable. Donc il y a le chalet hôtel Aile Froide qui est ouvert depuis deux saisons d'hiver. Il va proposer 14 chambres qui ont été entièrement rénovées et qui ont gardé quand même leur style d'antan. Donc les gens ils viennent là pour cette expérience un peu nature, pour découvrir les environs et pourquoi pas faire une balade en raquette à la découverte des chamois notamment, ou sur les traces des loups. On les voit en hiver également ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des accompagnateurs en montagne qui sont spécialisés dans ce type de produits, même le comptage des chamois, des animaux en général d'ailleurs. On a une autre pépite dans le même style, donc qui est le seul hameau du parc à être habité, qui s'appelle Dormihouse, sur la commune de Fraissinière. Et là, la particularité, c'est que ni en été ni en hiver, on ne peut y accéder en voiture. C'est une route qui n'est pas carrossable. Et donc on va soit l'été y aller en randonnée, on en a pour 1h30 de montée à peu près, et l'hiver on y va en raquette ou en ski de randonnée. Et là-haut, c'est assez atypique puisqu'on va retrouver la vie d'un hameau avec ses maisons, etc. Et puis tout le patrimoine traditionnel, un temple vaudois et notamment deux gîtes. Le gîte de l'école qui a été installé, comme son nom l'indique, dans l'ancienne école du village. Et donc il accueille à la fois les randonneurs pour une pause déjeuner ou un goûter, mais aussi à la nuitée pour les gens qui souhaiteraient prolonger le séjour sur place. Et puis on a la chambre d'hôte, l'écrin de Violette. Donc là c'est une maison de famille, là aussi qui a été rénovée, qui présente tout le confort possible pour la bois, etc. Et qui permet de vivre une vraie expérience, parce qu'il faut le vouloir, monter dans un endroit où on est complètement déconnecté, on n'est pas du tout à proximité des remontées mécaniques, des stations, et c'est ce que les gens recherchent, clairement. Parmi les activités qu'on aime bien pousser, il y a l'escalade sur glace. On a la chance d'avoir un territoire qui compte près de 400 cascades de glace. Donc cascades de glace, ça s'entend, donc ce sont des parois rocheuses donc, qui sont figées avec de la glace. Il y a un côté éphémère et poétique que les gens aiment bien finalement, parce que sur cette activité, c'est pas comme le ski. Les conditions vont être variables, mais finalement peu. Sur l'escalade sur glace, d'une semaine à l'autre, on va se retrouver sur une glace plus lisse, qui a été forgée par le soleil, qui a été forgée par les coups de piolet, par les crampes. Exactement, tout à fait. Donc pour le coup, ça c'est une expérience que les gens aiment bien. Ça se pratique dès 8 ans. On peut faire des initiations à la cascade sur des sites aménagés. On a par exemple la commune de Fraissinière qui a investi depuis l'année dernière dans une tour de glace de 18 mètres. Et là, on a des glaciéristes aguerris qui viennent s'entraîner. Et puis, on a des gens qui viennent découvrir cette pratique qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est complètement à la portée de tous, finalement. C'est juste du maniement, un peu de technique, mais accompagné, ça fonctionne très bien. On a aussi du ski joring. Alors, le ski joring, c'est soit du ski tracté par un cheval, soit une bouée tractée. La bouée, ça permet aussi à des jeunes publics d'en profiter, puisqu'on est entre les jambes des parents. Et puis on fait une balade sur le domaine nordique de Valouise, donc entre forêts, pistes de ski de fond, etc. Donc c'est plutôt chouette. Du coup, Valberg, pour situer, c'est à 1h15 au-dessus de Nice. C'est du coup une station dans les Alpes du Sud, avec l'avantage du climat méditerranéen, hein, il fait très beau. Donc c'est le ski détente au soleil pour la partie hiver. Mais après on a la particularité d'être vraiment une station 4 saisons. C'est-à-dire que là même par exemple vous venez à l'automne, il y a beaucoup d'activités, d'animations disponibles et c'est vraiment une saison qui est magnifique. Vous avez les paysages flamboyants avec les mélèzes jaunes, oranges, rouges et autres. C'est une saison d'ailleurs qui plaît à beaucoup de monde hein, chez nous. L'été c'est aussi une saison où on est très prisé. C'est une station qui est familiale, avec plus d'une quarantaine d'activités disponibles, de l'animation vraiment presque tous les jours.
Voilà, on est Famille Plus, on est labellisé Famille Plus, qui viennent récompenser tous les efforts qu'on fait autour de la famille, pour tous les âges, hein, justement, mais pour que ce soit aussi agréable pour les parents que pour les enfants, ou que les grands-parents. Qu'est-ce qui ou pas. Bah, d'ailleurs, on l'a vu, hein, quand il y a eu la fermeture de domaine skiable en 2021, il y a beaucoup de monde qui est venu à Valberg, et on dit, mais... Vous êtes venu à l'alberg, il n'y a pas le ski et tout. Et en fait, on dit, ben, nous, à l'alberg, on y vient un peu, pas que pour le ski. On aime bien faire une randonnée en raquette. On aime bien être simplement en terrasse, convivial, profiter de la nature. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça montre que l'alberg ne dépend pas que du ski alpin. On a vraiment tout un panel d'activités disponibles qui plaît. Et ce qui fait notre force, c'est vraiment la convivialité. Les gens viennent à Valberg. D'ailleurs, on a fait une enquête de satisfaction cet été. 94% des gens qui ont été interrogés disent que c'est pas la première fois qu'ils viennent à Valberg. Et parfois même, ça fait des générations qu'ils viennent. Et parce que justement, ce qui les fait revenir, c'est la convivialité. C'est un village, c'est une ambiance village. On a une vie à l'année à Valberg, hein. Il y a l'école jusqu'au CM2, c'est très agréable. Il y a le cœur de station aussi, tout le monde fait tout à pied. Il y a le domaine skiable qui arrive pile sur la place. Donc on arrive ski au pied sur la place, on se met en terrasse. Du coup, les gens apprécient beaucoup cette convivialité. Et après, on est aussi labellisé Flocon Vert, de Flocon. Sinon, on fait partie des seules 6 stations qui sont labellisées de flocons. Il n'y a encore aucune station qui a 3 flocons. C'est notre ambition d'être la première à l'être. Et ça vient récompenser tous les efforts qu'on fait depuis maintenant plus de 15 ans pour un tourisme le plus durable possible. C'est quoi les flocons verts ? Flocons verts, en fait, c'est un label qui vient récompenser les stations de montagne d'un point de vue tourisme durable. Donc avec les piliers économiques, sociaux, environnementaux et autres. Et justement, c'est un label qui vient justement récompenser tous les efforts qu'on fait là-dessus. Par exemple, c'est pour ça qu'on est aussi très orienté 4 saisons, c'est pour ancrer de l'emploi à l'année sur Valberg, faire en sorte qu'il y ait une vie économique pérenne à l'année. On voit de plus en plus, par exemple, des magasins de sport qui sont ouverts à l'automne, par exemple, ou au printemps, alors qu'habituellement, c'était hiver et été seulement. Les restaurants, il y en a de plus en plus qui sont ouverts toute l'année. Des hôtels qui sont ouverts toute l'année. Et en fait, ça génère une activité où on ancre les gens localement. Et donc ça, c'est Flocon Vert, c'est vraiment un label qui vient récompenser tous ces efforts qu'on fait là. Après, c'est dans notre ADN, hein. Moi, je suis venu à Valberg, c'est justement ça qui m'a attiré. Ma spécialité, mon master, c'était le tourisme durable. Et c'est ce qui m'a attiré à Valberg. Et beaucoup dans mes équipes ont justement cette même passion. Et voilà, ça vient... Et les gens aussi apprécient ça. Alors, les Alpes de Haute-Provence, on est bien sûr dans les Alpes du Sud, hein, donc les Alpes du Sud qui comprennent les Alpes maritimes, les Hautes-Alpes et puis donc les Alpes de Haute-Provence que je représente ici aujourd'hui. Donc ce sont des Alpes qui sont au sud, donc au soleil. Et d'ailleurs, c'est une destination qui de plus en plus existe touristiquement. Aux 4 saisons. Donc bien sûr, là on est à la veille de la saison d'hiver avec bien entendu toute l'offre que l'on peut avoir dans nos stations. Hein. On a 9 domaines skiables, on a 7 domaines nordiques. Donc avec toute la palette des activités hivernales dont on peut rêver. L'avantage de la destination, c'est que on est sur un profil plutôt de clientèle familiale et avec des tarifs de forfait ou de passe qui sont plutôt accessibles. Donc on est sur un très bon rapport qualité-prix et sans oublier bien sûr qu'on va skier au soleil, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est pour la partie hiver, mais ce sont également des espaces qui vivent toute l'année. En témoigne Barcelonnette, hein, le village un petit peu central de la vallée de l'Ubaye. Et à partir de petits bourgs, à partir duquel on va pouvoir vraiment aller soit en Haute-Ubaye, soit basculer sur la vallée du Haut-Verdon avec un espace relié, ou soit même ensuite dériver vers le lac de Serre-Ponçon et toutes les activités de pleine nature que l'on peut y pratiquer.
voilà, plus généralement une destination très nature où, que les Belges apprécient particulièrement parce que on va y trouver de l'art de vivre, on va y trouver de l'authenticité. On va y trouver absolument toutes les activités de pleine nature, que ce soit pédestre, équestre, de l'escalade, des sports de vol libre, hein, au lieu de parapente. On va y trouver bien sûr des sites touristiques majeurs comme les Gorges du Verdon, mais également des petites pépites disséminées à droite, à gauche. Enfin, et j'allais dire peut-être en conclusion la rencontre spectaculaire entre les Alpes et la Provence. Eh ben, bonjour, moi c'est Magda Molinari, je représente les Hautes-Vallées. Les Hautes-Vallées, c'est la Grave, la Clarée et l'Issoire. Trois territoires autour de Briançon, Serre, Chevalier. Voilà, on est entre Grenoble et Briançon. On a trois territoires qui sont à la fois différents, mais aussi qui se ressemblent par leur authenticité. Petit village de montagne avec des maisons en pierre, des maisons en bois. Et c'est vraiment les activités au cœur de la nature, sans pylône, vraiment à la découverte de la montagne. Et aussi les expériences à vivre ensemble, comme en faisant du ski de rando, de la raquette. On a aussi des sports qui sont un peu plus extrêmes en quelque sorte, avec le ski freeride, la cascade de glace, le kite au col du Lautaret. Et après on a aussi du chien de traîneau. Du snook, ça aussi c'est la petite nouveauté de cette année où on descend en luge le col d'Issoire et ça, la Haute-Vallée. Et ben voilà. Il faut monter à pied et après il faut redescendre en luge. Ça c'est tout à fait possible. Et puis après, sinon, ouais, c'est mettre en lumière nos adhérents et les personnes qui font vivre nos territoires de par leur créativité aussi de différentes activités et aussi par leur générosité à accueillir aussi Et au point de vue logement, vous avez toutes les capacités Ouais, on aura toutes les capacités. On a de l'hôtel 4 étoiles à l'auberge aussi de village qui est accueillante et qui a son histoire aussi dans des vieilles bâtisses des villages. Vous êtes à quelle altitude en moyenne La plupart de nos villages sont autour de 1600 mètres d'altitude. Voilà, on a la Grave qui est à 1400, puis après Villard d'Arène 1600, Névache 1600, la Vachette Val des Prés à 1300, Servières à 1600 aussi. Et après voilà, les autres sont entre 1200 et 1600. Alors moi je représente le Kéra, qui est un territoire où à l'intérieur on va trouver deux destinations. Donc il y a une première destination ici, qui est le bas de la vallée, qui est le Guies 3, où on va avoir plusieurs villages qui vont s'enrouler autour de la Durance, avec le petit village de Guiestre, qui est donc le bourg principal de ce bout de vallée, et puis Mont Dauphin, qui est donc une fortification Vauban, qui est labellisée par l'UNESCO, qui est un village fortifié que l'on va pouvoir visiter toute l'année, aussi bien en été qu'en hiver et qu'au fil de tous les mois. La particularité de ce village, c'est qu'à l'intérieur, il y a une vraie vie de village, puisque la volonté de la commune avait été d'attirer des artisans. Donc il y a un village d'artisans aussi à l'intérieur, ce qui fait que c'est aussi vivant de visiter ce village. Donc il y a le côté historique et patrimoine avec les visites qui sont initiées par le CMN. Et puis après, dans le village, on peut déambuler dans les rues, aller visiter et aller à la rencontre des artisans. Et puis on a également dans ce lieu assez magique et chargé d'histoire une ancienne caserne qui s'appelle la caserne Rochambeau, qui a complètement été rénovée. Je peux vous montrer d'ailleurs les photos. Et dans cette caserne Rochambeau, on accueille l'exposition d'un artiste sénégalais qui s'appelle Ousmane Sow, avec son exposition qui s'appelle Little Big Horn. Voilà. Ensuite on a des petites pépites, hein, notamment ici Saint-Crépin, qui est un village un petit peu médiéval, où on a un petit aérodrome, et puis on va retrouver une table étoilée qui s'appelle les Tables de Gaspard, qui est le seul restaurant étoilé qu'on va trouver dans les Hautes-Alpes. C'est une très bonne table, très sobre, avec des mets sourcés de manière régionale, qui sont sublimés par le chef des lieux de ce restaurant. Après, donc en hiver, Guiès est un très beau lieu pour rayonner en étoiles. Ça fait un bon camp de base pour après pouvoir monter, découvrir les différents domaines qui se trouvent aux alentours. Et puis on va arriver ici en suivant
la route des Gorges du Guil et on va arriver sur le territoire du Quéra. Donc le Quéra, c'est un parc naturel régional depuis 1977 et qui se compose de 4 vallées et de 8 villages de haute altitude, puisqu'on est les villages les plus hauts d'Europe habités à l'année, avec notamment le plus célèbre qui est Saint-Véran. Saint-Véran, ça culmine à 2042 mètres d'altitude et c'est le point culminant du territoire. Donc, producteur de liqueurs et d'eau de vie. Voilà, on est une petite entreprise artisanale, on est basé à Serre-Chevalier, en plein cœur de la vallée. On travaille qu'avec des produits locaux. Beaucoup de choses qu'on va ramasser nous, vraiment à portée main à Serre-Chevalier. Ça me paraît voilà. Normal, effectivement. On aime valoriser hein, vraiment ce qui pousse à côté de chez nous et les mettre en avant voilà, de différentes manières. Exactement, exactement. On passe énormément de temps en montagne, on est les gens les plus heureux de la Terre et on aime valoriser tout ça, et, voilà, proposer différentes liqueurs, différentes eaux de vie. On fait aussi du gin, on fait aussi des eaux de vie de poire par exemple, avec des poires locales. Si vous êtes amateur, il y a de quoi faire. Eh ben avec grand plaisir, vous me dites ce qui vous ferait plaisir. Le vieux garçon, c'est un mélange de 7 fruits rouges. La menthe, c'est un assemblage de menthe sauvage qu'on ramasse chez nous. Le gin qui vient de partir faire les championnats du monde de gin, on aura les résultats au mois d'octobre. Croisez les doigts. Et notre fameux mélèze qui est vraiment notre produit le plus caractéristique. J'ai goûté le mélèze. Eh bien très bien, c'est une balade en forêt. Oui, ah ben, ça tombe bien, j'adore la forêt. La forêt. Voilà, génial. Mélèze. Et donc le mélèze, on dit, tiens, le mélèze, ça rend balèze. Ah bah alors.